attention, please. Bonjour à tous et à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce let's play sur RimWorld. J'ai un peu les boules, je m'en suis toujours pas remis. J'ai perdu John Shepard, la haine. Je suis curé. C'est l'épisode 15, je crois. Oui, c'est l'épisode 15. Et voilà, c'est parti. Donc on continue. On essaye de. Ah, on n'a plus de batterie, on n'a plus rien, c'est tout, c'est la cata. N'oubliez pas qu'on a ce truc à la con là qui fout le bordel, donc on est mal. Il faut que je lui dise qu'ici c'est fait partie de la base, juste histoire que ça se dépêche de travailler dessus. Voilà. Oh là là, c'est la cata, j'ai plus de bouffe, la bouffe descend. Marchand d'esclaves, on s'en fout. Exotique, on s'en fout. C'était un défaut électrique, ouais, qui a fait tout péter. Là, j'ai plus mon truc de jeu, là, je vais leur en mettre quand même. Ah non, ah non, ah non, non, oula. Non, là c'est foutu, parce que j'ai plus d'énergie. Ah non, là c'est abusé. Non, non, c'est abusé. En plus, il tire à distance. Bon, bah je crois que ce let's play est fini. Ce let's play est fini, les amis. Et tuons-en un pour le décourager. Là, j'ai ce qui s'appelle avoir la haine. Bon, déjà, ce que je vais faire, puisque c'est fini, hein, c'est foutu. Mon IA, je suis désolé. Je le fais parce que j'y avais droit avant. J'y étais avant. Là, c'est pas la peine. Allez, c'est fini. Toi, t'as un fusil? Non, t'as pas de fusil, toi. Équipé. Carlstone, toi, t'as quoi, toi? Ça va exploser. Voilà, on est content. Qui a encore un fusil? Un pistolet. Toi, tu vas te mettre là. Voilà, mes deux tourelles sont mortes. D'armes. Je suis curé, Elisabeth va te faire soigner. Toi, tes habits.
il y a vos occupations. Donc il faut que je reconstruise les tourelles d'ici. C'est qui est en réparation? C'est Jude. Il arrive que l'on n'ait pas une minute pour souffler. On court d'une réunion à l'autre, on doit s'activer sur tous les fronts. Tout ça en devant s'occuper de soi et de sa famille. Dans ces périodes, Beroca et son efficacité cliniquement démontrée vous aident à retrouver votre vivacité. Ah putain. Alors ce qui vient de se passer là, c'est, vous voyez, c'est Internet qui a le droit de faire ce qu'il veut. Hein, j'avais une page ouverte et voilà le bordel que ça fout. Quoi encore? Un colon a besoin de soins. Oh non! Oh non! C'est quoi ce bordel? Putain! Oui, je rage. Je sais. Je sais. Voilà, ça m'a tué Glenn. Glenn, il était bon. Ah, je suis mal, là. C'est plus la peine, là. Le let's play, il est mort. Allez, fous le camp. Il fait attaquer par des serpents. Dans la baraque. Parce que là, j'ai plus de porte. Il a pas de fusil, il a rien, lui. Non. Non. Mais non. Mais putain. Ah non, il me tue tous mes bonhommes, hein, après les autres. J'ai plus de constructeur. Je sais même plus à combien de minutes j'en étais. Putain. J'ai des constructeurs encore. Oui. Oui.
Oh, c'est la cata. Quoi encore? L'épave du drone plus puissante. Ben oui, mais je sais. Vous savez quoi? Non, on va le remettre comme ça. Ils savent tout faire, ils se démerdent. De toute façon. Vendeur exotique, oui, mais on s'en fout parce que de toute façon je peux rien faire. C'est mort. Vous m'avez entendu rager la souris. En plus, ils ont une portée, mais incroyable, mais vrai. Peut-être vous, par contre, peut-être vous obliger à. Non, bah non. Je vous oblige même plus. Ça c'est foutu. Je sais que j'arriverai pas à remonter la pente parce que j'ai pas de prisonnier, j'ai rien du tout. Manque de matériaux, j'ai plus de matériaux, qu'est-ce qui me manque? Les acions, oui. Crématorium, le crématorium, ouais, bon, le crématorium. Vous pouvez faire de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est foutu. On laisse partir en couille. Quoi encore? Capsule de cargo. Se rendre sur les lieux. Où? Où? Là? Voilà. Oh là 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 là. Ça sent la fin. Malheureusement. Et par contre, vous voulez bien vous occuper de... Non. Mais, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Joran, à mort. Je ne peux pas transporter le cadavre. Mais, personne ne peut transporter le cadavre. Non, mais faut arrêter, quoi. Ah, bah oui, j'ai plus de tombes. Allez, on va refaire des tombes. Revanche, se rendre sur les lieux. Oh là 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 là. Bon, vue générale. Alors, on va recommencer.
on va enlever tout ça. Là, c'est un, on le sait. Médecin, lui, Elisabeth, on va la laisser. Ensuite, contrôlera cuisinier. Il faut un qui fait pas trop constructeur. Il y a toi. Artisan. Artisan. Artiste. Et être tailleur. Tailleur. Artisan. Oui, je sais, t'as pas besoin de me dire que tu m'envoies des ondes psychiques négatives qui foutent la merde, je le sais. En même temps, s'ils voudraient bien construire, s'ils voudraient bien travailler, là, je sais pas ce qui se passe. J'allais dire, ça répare quand ça veut. J'arrive plus à voir la température parce que là j'ai putain de truc qui hein. Un chasseur a besoin d'armes. Qui? Toi? Là, tu vas prendre un fusil. Fusil ou pistolet? Y'a plus de fusil là? Et tous mes bonhommes qui sont morts sont où les fusils? J'avais bien des fusils avant. Bon bah tant pis, tu vas. Je vais faire la gueule parce que le bagarreur il veut pas de machin, mais je t'emmerde. Voilà. Pardon. Non mais c'est purée. Et voyez, j'avais juste augmenté la difficulté une fois. Vous avez vu le bordel? Pourtant j'étais bien développé. Ça maintenant le jeu prévoit, le jeu triche. Et vous avez des tourelles, ça sert à rien parce qu'ils ont une portée illimitée. Vos bonhommes ne servent à rien parce qu'ils n'ont pas une portée aussi loin que ce qui vous attaque. Bref, voilà. Quand tu veux, tu me fais fonctionner et charger les batteries. Quand tu veux. Quoi encore? Groupe de containers, ça rentre sur les lieux. C'est quoi? Du cuir du Wapiti, mais on s'en fout. Thank you.
Ben, en réparation, j'aimerais bien que tout le monde, quand il faut réparer, que vous répariez. La galère. Là, je suis en train. J'en suis à me demander si j'aurais pas dû laisser la saloperie de bestiole tout à l'heure tuer tous mes bonhommes. De pas faire le rollback de 3 minutes. Mais bon. Je vous dis, ce jeu est très addictif. Mais bon, là, c'est parce que je suis sur le let's play que ça me fout les nerfs. Parce que... Et sinon, avant de démarrer le let's play, j'avais essayé et je vous dis, j'ai recommencé 1, 2, 3, 4, presque, allez, pas loin d'une dizaine de fois. Avant de comprendre ce qu'il fallait faire, comme j'ai démarré au début de la série, je faisais toute ma planification avant. Mais je jouais, bien sûr, en mode bac à sable. J'avais essayé, donc, direct dans le let's play, un mode un tout petit peu plus au-dessus, et apparemment, bon bah ça, comment dire, ça allait, mais il se passait pas grand chose. J'ai voulu juste augmenter légèrement la difficulté avec les événements aléatoires et je me suis fait poutrer. Voilà, tout simplement, poutrer de chez poutrer. Et j'ai ce vaisseau là à détruire. C'est toujours pas fait parce que lui il mine le moral de mes troupes, donc elles vont finir par se barrer. Oh, quoi encore? L'épave du drone, je sais que l'épave du drone et je peux pas attaquer, je le sais. Qui a pas d'arme? Jennifer la fusée, attends. Toi, t'as ça, toi, t'as ça. Je peux pas le mettre. Interdit. Non, je peux pas. Aucun de mes bonhommes peut transporter le cadavre. Tirer la 0. Tirer la 2, Carson, tire ta 7. Carson, c'est ce que tu vas faire. Voilà, Carson va équiper le lame. Fou. On va prendre ça. Mauvaise humeur. Qui est de mauvaise humeur? Qui est de mauvaise humeur? T'es là. Pourquoi? Oula.
équipé d'une arme à distance. Ah, tant pis. Humeur massacrante. C'est pas grave. Tu veux pas d'armes à distance. Mauvaise humeur. J'ai pas de couteau. Ah tant pis, casse-toi. Bon, bah voilà. Bon ben, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce let's play. Hein. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, même si dans les deux dernières parties, j'ai ragé, plus que ragé. Et je vous dis à bientôt. Pensez à liker, partager, commenter. Bye bye.